Et bonjour à tous les amis, c'est Brazil votre gamer favori. On se retrouve pour la nouvelle vidéo de la boutique du jour de Fortnite du 3 février 2024, donc avec le retour du Jack Skeleton, donc comme vous voyez actuellement à l'écran, donc avec Jack Skeleton en tenue hippique avec son emote intégré, donc effroyable Jack, donc son emote intégré hippique également, sa version Lego et Zero qui est son accessoire de dos hippique, tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite vous avez l'ombrelle de sucre d'orge qui est son petit... Ces petites pioches, sa pioche rare, donc pour 800 V-Bucks. Le traîneau de Jacques, c'est son petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le retour du pack Songe, donc avec Songe en tenue rare. Donc, elle fait partie de l'ensemble Fragments de Lumière, saison 8, premier chapitre, donc avec sa version Lego. Les ailes fragmentées, c'est un accessoire de dos rare. Le diaphane, c'est son petit planeur hippique. Et Brie, son petit revêtement d'armes, donc qui est animé, tout ça pour 2000 V-Bucks. Alors, pas que vous avez donc Songe en tenue rare avec sa version Lego et ses ailes fragmentées, accessoires de dos rares pour 1200 V-Bucks. Le diaphane, c'est son petit planeur pour 1200 V-Bucks, épique. Voilà. Ensuite, vous avez le retour de Sirène, donc avec ses deux customs en tenue rare également. Voilà, donc elle fait partie de l'ensemble Section de Choc, saison 2, chapitre 2, avec sa version Lego et son dernier baiser qui sont accessoires de dos rares également. Avec ses deux customs, pour l'ouvrir, embrassez-le, donc tout ça pour 1200 V-Bucks. Bisous, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Fléchette en tenue atypique avec ses trois customs. Comme vous voyez actuellement à l'écran. Donc, il fait partie de la ligne de mire, saison 6, premier chapitre, avec sa version Lego, le tout pour 800 V-Bucks. Ensorcelante, c'est une petite emote épique. Faites-les tomber à vos pieds, saison 6, premier chapitre pour 800 V-Bucks. Chant de marin, c'est la petite émote de groupe. Joignez vos cœurs et d'autres joueurs qui utilisent l'émote chant du marin. Donc c'est une émote synchronisée, saison 5, chapitre 2. Elle est rare pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours les pionniers, donc avec la fiancée de l'air, donc en tenue rare, détentrice de nombreux records en solitaire. Partie ensemble à ce dimanche, saison 6, premier chapitre, avec sa version Lego. Avec son brasseur d'air qui est son accessoire de dos rare, ne laissez pas les turbulences vous étourdir. Tout ça pour 1200 V-Bucks. Le défendeur des cieux, pardon, qui est en tenue rare, n'aime rien de plus que Turbulence. Donc, saison 7, premier chapitre, donc c'est le même ensemble avec sa tenue, avec sa version Lego, tout ça pour 1200 V-Bucks, pardon. Voltigeuse, donc c'est toujours le même ensemble, donc en tenue rare, donc saison 7, premier chapitre avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Dirigeable, c'est leur petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Turbine, c'est leur pioche rare pour 800 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez le retour de l'agent secret, donc avec ses deux customs en tenue hippique. Voilà. Qui fait partie de l'ensemble Nid d'Espion, saison 1, chapitre 1. Donc, elle est en hippique avec ses deux customs, avec sa version Lego. Le sac de prospection, c'est son accessoire de dos hippique avec ses deux customs également. Donc, avec lui, tout est possible. Donc, tout ça pour 1500 V-Bucks. L'agent nocturne, donc c'est parti du même ensemble. Donc, lui aussi, Nid d'Espion, saison 3, premier chapitre. En tenue rare avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Spets, c'est leur pioche rare pour 800 V-Bucks. Furtif, c'est leur petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez la protectrice du mecha qui fait son retour avec ses 5 customs différents. Donc, transformez-vous avec l'emote intégré posture de combat. Chaque style a sa propre transformation. Donc, voilà, comme vous voyez actuellement à l'écran. Donc, elle fait son retour également. Voilà, quatrième custom et donc la dernière, la cinquième. Donc, elle fait partie de l'ensemble équipement armement du mecha, saison 2, chapitre 3. Donc, le commandant du mecha compte sur vous. Donc, avec sa posture de combat qui est son emote intégré hippique pour se transformer instantanément et sa version Lego, tout ça pour 1400 V-Bucks. Le navetteur du mecha, donc lui aussi fait son retour. Donc, c'est toujours le même ensemble. Donc, voilà. Avec ses 5 customs, donc en tenue hippique. Lui aussi, donc, il a ses 5 customs. Plus l'emote intégré qui vous permet de transformer instantanément. Donc, voilà. Voilà, ses 5 customs. Donc, avec sa posture de combat qui est son emote intégré épique et sa version Lego, tout ça pour 1400 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez les tenues série icônes avec Booga, donc avec la tenue accumule l'électricité à chaque élimination, Zoé sortira de l'accessoire de dos, trophée de jouet pour fêter chaque élimination, donc avec ses trois customs en tenue série icônes avec sa version Lego et son trophée de Zoé, accessoire de dos réactif lui aussi, tout ça pour 1500 V-Bucks. La lame de Booga, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le pack allié, donc avec allié ses 4 customs, donc c'est avec sa version Lego. La dossière d'Alitech, c'est son accessoire de dos avec ses deux customs. Les ailes plasma d'Alitech, c'est son petit planeur, tout ça pour 1800 V-Bucks. Le bâton d'Alitech, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks, voilà.
Ensuite, vous avez Lanchon qui fait son retour également, tenue série icône avec sa version Lego. L'accessoire de dos réagit aux éliminations, donc avec son body PWR qui est réactif, donc qui réagit aux éliminations pour 1500 e-bucks. La trocheuse PWR, c'est sa pioche pour 1200 e-bucks. Silver PK, donc avec ses 4 customs, donc avec le style réactif renforcé, les éliminations culminera démoniaque autour de Silver PK. L'accessoire de dos, malédiction de l'ONI, est également réactif, donc sa tenue et son accessoire de dos sont réactifs, donc voilà, avec la malédiction de l'ONI qui sera l'accessoire de dos, tout ça pour 1800 e-bucks. Le Shogugi, c'est son petit planeur avec ses deux customs pour 1200 V-Bucks. Le Cimeter de Cipher, c'est sa petite pioche pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Chica, donc elle aussi, donc avec le style enchaînement prismatique réactif, Chica s'élimine à chaque élimination, donc avec ses 5 customs, avec sa version Lego et son étoile de Chica qui sont accessoires de dos également avec ses deux customs pour 1500 V-Bucks. Voilà. La lance d'Aida, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez The Grave, donc lui aussi, la tenue et l'accessoire de dos réagissent aux éliminations, donc avec sa version Lego et sa sphère de puissance qui sont l'histoire de dos pour 1500 e-bucks. La boîte en manette, c'est sa pioche pour 800 e-bucks. Ensuite, vous avez fait vomir les moteurs, donc avec le pack Endo, donc un châssis atypique, avec ses stickers typiques, pro du circuit, gâteau, Cyrus, Dino, hop là, pardon, rayure, et pour finir, les ailes, tout ça pour 1500 e-bucks. Le pack diesel, toujours avec le pack avec le châssis rare diesel, avec son double zéro, c'est son premier sticker rare également. Numéro 7, c'est son deuxième, troisième sticker, donc hippique, et les autres, c'est des stickers typiques avec flamme, aile, éclair et rayure, tout ça pour 2500 e-bucks. Ensuite, vous avez une trentaine de pistes musicales pour le Fortnite Festival, donc 2, 4, 6, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc il y a une trentaine de pistes musicales à 500 V-Bucks l'une. Donc c'est pour le Fortnite Festival et qui vont avec le pack The Weeknd. Donc avec le pack The Weeknd, donc qui est juste en dessous, donc pour 3500 V-Bucks. Donc qui comprend Weekend Combattant avec ses 3 customs, qui est masqué, c'est son emote intégré. Le Xeo, c'est son accessoire de dos. La HGO, c'est sa pioche. La Sozizio, c'est son vêtement d'arme. La Rime de Tendance, c'est sa petite emote. La Grazio, c'est sa guitare. Et le Clavizio, son petit clavier, tout ça pour 3500 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Weekend Combattant avec ses 3 customs, avec masqué, son emote intégré. Et le Xeo, accessoire de dos pour 1800 V-Bucks. La Grazio, c'est sa guitare pour 1000 V-Bucks. Le Clavizio, c'est son petit clavier pour 1000 V-Bucks également. Le Rime de Tendance, c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks. Et la Xeo, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks également. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez 3 instruments pour vous équiper, vous, pour le Fortnite Festival, avec la Mélodie Chocomante, qui est le petit clavier rare pour 1000 V-Bucks. Donc, tu es ce petit micro rare pour 1000 V-Bucks également. Glacial, c'est la petite guitare atypique pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de quête d'exilé du vide pour 9 euros. Donc, avec Absence guerrier du vide en tenue rare, avec sa version Lego. Le noyau du vide, c'est son accessoire de dos rare. La ravageuse du vide, c'est sa pioche atypique. Et des quêtes légendaires pour l'exilé du vide, donc pour gagner jusqu'à 1000 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack dignitaire doré, donc avec. Pour 17,25€, donc avec Ambroric en tenue hippique, avec sa version Lego. Les ailes à pointe creuse, c'est un accessoire de dos hippique. Les coupeuses immaculées, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez Calamité flingueuse, donc en tenue hippique, avec sa version Lego. Le Diablo 20 biscuit ennuyé, c'est son accessoire de dos hippique. La hache flingueuse, c'est sa pioche rare. Et pour terminer, donc, vous avez l'Oriata en tenue hippique, avec sa version Lego. Le coffre sous-marin, c'est son accessoire de dos hippique. Et la trocheuse à harpon, c'est sa pioche rare. Donc tout ça pour 17,25€. Et pour terminer, donc vous avez toujours le pack Sentinelle Rebelle, donc pour 18,49€, donc avec un accès permanent à la campagne sur le monde, vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans le monde. Terminez la défense du bouclier en pleine tempête base 3, pardon, pour déverrouiller l'émission et terminer ce pack de défis, donc il comprend donc la tenue d'Ara en épique avec sa version Lego, avec le fourreau de dague épée accessoire de dos rare, la dague épée de mercenaire c'est sa pioche rare, donc voilà, tout ça pour 18,49€. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12€ par mois. Les amis, depuis le mois de décembre 2024, vous avez l'ensemble de fidélité au club, donc des objets cosmiques exclusifs au club dont une nouvelle étape est délivrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous recevez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles, plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Sur les passes de combat, ils vont pour 550 V-Bucks, vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Lana Hama en tenue hippique avec sa version Lego. L'enceinte lama, c'est son accessoire de dos hippique. Et la lama, l'unicorne, donc c'est sa pioche hippique. Donc tout ça
pour 12 € par mois, les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo déjà. Donc, les amis, si vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager. C'est très important, les amis, ça aide à développer la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, vous êtes encore très nombreux à ne pas l'être. N'oublie pas de cliquer en bas à droite, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner, tu peux activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code qui a enflammé l'été 2023, qui a réchauffé ton hiver 2023-2024. Donc, c'est le code de 2023 et c'est le code de 2024. C'est le code brasier en majuscule. En minuscule, on s'en fout, vous mettez fouillé, moi ça m'aide énormément, ça marche quand même, vous mettez fouillé, ça marche quand même, donc, et moi ça m'aide énormément, et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et nous on se retrouve tout à l'heure à 17h pour notre live Fortnite, venez nombreux, bye bye.